j'apporte un regard et j'apporte ce que la personne n'aurait pas pu voir. Et on partage ensemble, par exemple pour cette exposition, les lectures qui pourraient pas être faites et ensuite la description des images. La relation entre la Fondation Antoine de Saint-Exupéry et le Centre Ressources Théâtre Handicap que je porte est une démarche cohérente puisque, voilà maintenant un an, la Fondation Antoine de Saint-Exupéry a souhaité soutenir et accompagner notre formation au métier de l'accessibilité, ce qui veut dire audiodescription, surtitrage et vocalisation. En dessous, on a la carte du parcours qui s'apprête à faire. Donc une carte du monde à plat et on a leur parcours tracé de Paris, donc ça commence à Paris, Marseille, Tunis, Benghazi, Le Caire, Bassora, Karachi, Rangoon, Saigon. Je vois quand même un petit peu, mais pas suffisamment pour voir tout, d'autant plus que les panneaux sont relativement hauts et que du coup, vraiment là pour moi, le souffleur a été un complément, voire même plus qu'un complément, a été mes yeux. En dessous, on a une photo de Saint-Exupéry devant son avion, devant la dépouille de l'avion. Et il y a un autographe sur la photo. C'est là l'avion ? Là l'avion. Ok, d'accord. Et c'est quoi ce truc blanc là ? Ce truc blanc, probablement une malle. D'accord. Ou un réservoir. Objet non identifié. Ok. Il a fait un tout petit dessin là, ici. C'est une petite maison avec une cheminée et des zigzags qui font la fumée. D'accord. Alors, un petit dessin d'enfant et il a fait une flash avec écrit mirage d'un bar. Comme s'il était au milieu du désert avec son avion qui voyait un bar. L'intérêt premier pour un lieu comme nous, qui recevons en moyenne 20 000 spectateurs, visiteurs aux différentes propositions culturelles qu'on fait chaque saison. Chaque saison, ça représente 20 000 spectateurs, visiteurs. C'est d'aller vers un nouveau public qui représente habituellement une partie infime de ces 20 000 spectateurs, visiteurs et qui, là, sur cette proposition innovante, accessible, a permis de justement de faire venir un public qui ne vient pas habituellement, notamment à nos expositions. Donc ici, on a un télégramme envoyé par Saint-Exupéry du Caire vers le 5 janvier 1936 qui dit: sain et sauf, vous embrasse tous tendrement. Et c'est quoi comme genre de papier ? Papier un peu jauni, un petit peu papier journal. D'accord. On a déjà fait des expositions sur Saint-Exupéry, en France, à l'étranger, des grands formats, des plus petits formats. Et là, c'était une occasion toute nouvelle pour nous, justement, d'intégrer l'accessibilité avec les chemins podotactiles, le souffleur d'images. Et grâce au CRTH et à l'association de la Fondation Saint-Exupéry et au CRTH, on a pu développer ça. Je pense que c'est aussi une forme d'ouverture d'esprit, ça mélange des publics divers, ça ouvre les champs socioculturels. Et du coup, c'est une aventure qu'on souhaite renouveler par la suite. Donc ici, on est devant les gants d'Antoine de Saint-Exupéry. Donc ces gants de pilote, des grands gants en cuir, couleur marron clair. Sont bien usés au bout, donc on voit qu'ils ont pas mal servi. Incontestablement, on a stimulé la démarche en sollicitant les institutions de personnes en situation de handicap avec qui l'on travaille, mais aussi des gens qu'on ne connaissait pas et qu'on a sollicité à cette occasion, notamment les institutions de déficients visuels et d'aveugles. Donc des groupes sont venus, des individuels sont venus, plus qu'à l'accoutumée,
En raison du succès de ce concept, les souffleurs d'images théâtre, nous pensons actuellement l'élargir à la danse, au cirque et à l'art contemporain, la sculpture, la peinture, en faisant naturellement appel, comme pour le théâtre, à des étudiants, à des élèves en formation, soit aux Beaux-Arts, à l'école du cirque ou dans les conservatoires de danse. La volonté dans cette exposition et dans toutes les expositions qui voudront bien s'associer à cette démarche, c'est de faire en sorte que les uns et les autres soient à égalité de droits et de chances, de qualité et d'usage. Et dans ce sens, la prestation commise confirme sa faisabilité et sa capacité à être reproduite partout.